Bonjour à tous et bienvenue dans le Facebook Live d'aujourd'hui. On a le plaisir et l'honneur d'être en compagnie d'un joueur du circuit européen très haut niveau, Alexander Levy, qui va nous rejoindre dans quelques secondes. On a également Guillaume Biogeot, le directeur PGA France du Vaudreuil, qui est avec nous, qui va nous parler un tout petit peu des chiffres Trackman de Alex. On a vraiment récupéré du contenu top pour vous montrer un peu. On va faire l'analyse de swing d'Alex, on va parler un petit peu de sa préparation physique pendant le confinement et on va également évoquer quelques données Trackman pour les puristes qui va vraiment, vraiment vous intéresser. Alors, sans plus attendre, messieurs, bonjour, ça y est, on est connecté, on est en live. Merci beaucoup pour votre patience, les personnes qui étaient avec nous tout à l'heure à 14h. Un grand merci de vous être reconnecté au live et d'être avec nous. Profitez-en pour poser vos questions à Alex dans la zone de commentaires. Toutes les semaines maintenant, on a des joueurs du circuit qui nous rejoignent durant les Facebook Live qu'on fait sur la page du Journal du Golf. Et un énorme merci à Alex parce que on sait qu'Alex, c'est pas souvent qu'on le voit en live. Donc pour le coup, Alex, un grand, grand merci à toi. On va partager une petite heure ensemble. N'hésitez pas, posez vos questions dans la zone de commentaires. Et moi, ce que je vais faire, c'est que Guillaume, je prendrai les commentaires et puis je les rajouterai petit à petit dans le live. Et puis on réservera une partie questions-réponses pour l'audience. Et Alex à un moment. Donc, messieurs, Guillaume, je vous laisse la parole. Merci, désolé encore pour tout à l'heure, c'est tout à fait de ma faute. Petit problème technique, on va dire, petit problème informatique, et merci bien évidemment à Lewis qui nous donne, comme d'habitude, un très bon coup de main. C'est notre IT man Au-delà du d'être coach, journal du au-delà d'être golf. coach chez Voilà. IT. Un coach multifonction, on va dire. Donc, je suis désolé pour ce petit contretemps. On en était donc sur ce que faisait Alex pendant ce confinement et quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on a pu échanger un petit peu pendant cette coupure technique. Et est-ce que tu peux rappeler aux gens le nombre, ce que tu viens de nous dire, le nombre d'abdos que tu fais par jour? Bah, je suis pas au niveau de Cristiano Ronaldo qui en fait 1000. Mais j'essaye d'en faire entre 500 et 700. Alex, est-ce Voilà. que tu peux nous raconter un Ok, peu durant donc. ce confinement, ta routine? Tu vois, tu nous as expliqué un peu en off juste avant. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Combien de séances? Qu'est-ce que tu fais durant ces séances? Ça peut peut-être inspirer les joueurs amateurs qui nous regardent à faire des choses identiques. Alors. Bah, tout simplement, j'ai décidé déjà, je voulais pas trop perdre de poids parce que je fais vachement le yo-yo et j'aime pas trop ça. Donc, je me suis fixé un objectif. Je me suis fixé un objectif de pas perdre trop de poids, mais je voulais pas mal me muscler, surtout pour mon dos. Donc, tout ce qui est ceinture abdominale, c'est quelque chose avec mon staff qu'on a mis en priorité. Donc, c'est pas évident à faire pendant les tournois. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure à Guillaume, j'essaye de profiter au maximum des choses qui sont délicates à faire pendant une saison entière pour les faire pendant ce confinement où voilà, j'ai aucun objectif derrière de résultats, de quoi que ce soit. Donc, j'essaye de faire ça au maximum. Donc, je mélange ça, les ceintures abdominales, avec un cardio pour essayer d'être plus performant et durer plus longtemps que les 4 tours de tournoi paraissent plus faciles. Et après un peu de muscu, donc je varie à peu près entre deux séances par jour. Donc j'essaye ouais, de me remettre en forme, des choses auxquelles j'y prêtais un peu moins attention et auxquelles maintenant j'essaye de prêter un peu plus d'attention pendant ce confinement. Qu'est-ce que c'est Génial, bravo, important? C'est bravo. tellement important pour le Quand on dos, a hein, le gainage et tout ça, la préparation physique. Moi-même, j'ai connu des difficultés en bas du dos et mon préparateur physique m'a conseillé la même chose. Lewis, ta ceinture abdominale tient pas le coup. Et pour un swing de golf, toi qui en plus joues 4 à 6 fois par semaine, tu mets beaucoup, beaucoup de pression au quotidien. En plus, avec le swing, tout à l'heure, Guillaume le disait, un swing assez offensif finalement, tu vois, quand on te voit jouer, c'est un plaisir, c'est un bonheur de voir un joueur à l'attaque constamment. Pour le coup, il faut que le corps il puisse résister à tout ça, quoi. Il faut que le corps suit. C'est sûr. Quand j'ai vu les vidéos de Rory en train de jouer torse nu, je me suis dit quand même j'ai pas mal de travail. Moi aussi, j'ai vu ça. Tu l'as vu en train de jouer au tennis là? Il a fait une vidéo, il était en train de jouer au tennis torse nu. Hier, je crois, hier Ah, ou il est avant-hier. assez massif. Il est assez massif, on va dire. Ça c'est clair, ça c'est clair. Pour parler un peu plus de toi, donc là on a bien compris que t'étais pas en vacances, que tu te donnais à fond, que on a vu aussi pour les gens qui te suivent sur Instagram que tu t'étais installé un petit filet dans ton jardin, donc t'es pas du tout en vacances. On voit que tu te donnes à fond et je pense que c'est très intéressant de voir ça. Et on va faire deux ou trois trucs que les gens adorent.
Déjà, si tu es d'accord, on va parler de ton sac et de ce que tu as dans ton sac. Ouais. Les gens aiment bien savoir quelles armes les joueurs utilisent. Est-ce que, Lewis, tu peux avoir la gentillesse de nous mettre à l'écran le sac d'Alex? C'est ce que je suis en train de faire. Alors, on voit que t'as pas, j'espère pas me tromper, mais pas d'équipementier attitré. On voit que tu as des outils qui viennent un peu de tout le monde. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai décidé, je suis très très compliqué avec les clubs. Quand ça marche, j'ai du mal à changer. Donc déjà, on peut voir les 714 que j'ai chez Titleist. Ça fait très longtemps, depuis 2014 qu'ils sont sortis. Donc j'utilise les mêmes fers depuis 2014. Après, j'ai le driver pin en ce moment dans le sac. J'ai les bois de parcours TaylorMade, le putter Odyssey et les sandwichs Titleist. Donc c'est un sac vachement variable avec plein de marques. En fait, la situation est venue que je me suis dit qu'on gagnait assez d'argent sur le terrain et que je préférais pas prendre de risque de contrat, de quoi que ce soit, que je préférais être free agency, comme on dit, et de pouvoir jouer tous les clubs qu'on veut. Donc, en plus, là, j'ai un sac variable, je peux ajuster, j'ai 300 wedges, donc j'ajuste entre le fer 3, le bois 5 que j'enlève, c'est un sac très variable. Ok, et je me souviens d'une phrase qu'avait dit Nicolas Colsart, à l'époque où lui non plus avait choisi justement de ne pas avoir d'équipementier, il avait dit quand vous allez à la guerre, l'idéal c'est quand même de choisir les armes que vous voulez choisir. Et j'avais trouvé ça effectivement assez pertinent de pouvoir aller chercher ce qui te correspond le mieux, même si on sait que toutes les marques aujourd'hui sont extrêmement compétentes dans tous les domaines, je dirais, du putter au driver. Je trouve ça assez intéressant et intelligent, justement, ton raisonnement de dire, ok, moi, ce que je veux, c'est d'avoir les meilleurs clubs dans, je dirais, pour chacun des compartiments du jeu. Je vais vous donner un exemple. J'ai utilisé le driver TaylorMade M2 que j'ai fissuré l'année dernière en Suède et j'ai jamais réussi à retrouver un autre driver de chez TaylorMade. Équivalent à ce que j'avais avant et j'ai dû repartir et j'avais pas de contrat rien et j'ai pu changer sur un ping qui m'a redonné un peu espoir de retrouver mon driving qui était mon point fort dans le passé. Donc voilà, c'est des choses assez utiles sur des problématiques comme ça, par exemple. Et au niveau des balles, Alex, qu'est-ce que tu me parles de matériel, qu'est-ce que tu joues au niveau des balles sur le circuit? Alors moi je suis un joueur qui met pas beaucoup de spin à la balle. D'accord. Donc on va voir dans quelques minutes avec les chiffres Pac-Man. Voilà, donc j'essaye de prendre la balle qui met le plus de spin. Voilà, c'est la Titleist Pro V1 X parce que maintenant ils ont changé, la noire met moins de spin que la rouge maintenant. Donc, d'accord. OK. J'utilise la Pro V1 X. Depuis deux ans chez Titleist, ils ont switché. La balle qui donnait le plus de spin donne le moins de spin. Maintenant, il y a eu un switch. Et vu que c'est à la mode d'enlever le maximum de spin à la balle, parce que moi, je trouve que c'est dangereux, parce que je trouve que tu perds vachement en contrôle. En précision. Ouais, en contrôle. Ils essayent tout le temps d'enlever du spin sur tous les nouveaux drivers, mais au final, si t'as pas de spin, c'est plus dur de contrôler la balle, quoi. Donc finalement, ce qui est un atout pour les amateurs dans le sens où on est à la recherche de moins de spin pour les amateurs pour taper un peu plus loin, vous les joueurs pros qui n'ont pas cette problématique-là, t'essayes de chercher du côté de la balle finalement pour te permettre d'avoir le résultat que tu recherches dans la trajectoire. Ouais, de la balle ou des shafts. Là par exemple sur mon driver, j'ai dû mettre un shaft plus souple parce que j'arrivais plus à faire un droit avec le driver alors que c'était ma trajectoire naturelle. Donc, c'est marrant parce que la dernière fois, au Qatar, on était avec Victor Dubuisson au practice et il avait exactement la même problématique de retrouver son draw naturel qu'il avait au driving. Et grâce à ce changement de shaft, un peu plus de loft, j'ai réussi à retrouver mon draw
mon draw naturel. Donc ça, c'est un point positif. Top, super intéressant. Ouais, et je me permets de rebondir là-dessus. Je me permets de rebondir là-dessus. On voit d'ailleurs dans ton sac ici que tu as plusieurs shafts à côté de ta tête de ping G400. Donc, c'est que tu dois forcément faire des tests. Et en plus de ça, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce que tu dis là, c'est que de temps en temps, l'objectif du fitting et du matériel, que ce draw naturel dont tu parles, tu as été le chercher pas forcément avec des modifications techniques, mécaniques, mais aussi avec un matériel qui va être adapté. Je trouve ça hyper intéressant que de temps en temps, être sûr, et on en a parlé hier avec Lewis au niveau des wedges, d'avoir un matériel, d'avoir un fitting et d'avoir été voir des gens compétents pour le fitting pour avoir justement l'outil qui te convient au mieux. Et je trouve ça justement intéressant pour les gens qui nous écoutent de, si vous cherchez à faire une trajectoire et que vous n'avez pas l'outil adéquat, il va être extrêmement compliqué pour vous de faire la bonne trajectoire. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai de la chance de travailler avec un personnel fitter qui est Alex Dinko. Bon, j'ai pas pu le voir, donc je suis parti aux États-Unis. J'étais aux États-Unis et j'ai rencontré des gens de chez TrueSpec que tu dois te connaître, Guillaume. Et, bien sûr. Et donc on a bossé là-bas et sur les chiffres Trackman, c'était la différence, c'était énorme sur le launch, le décollage de balle et justement sur la trajectoire. Même moi, ça m'a surpris, alors que ça fait des années que j'avais d'expérience de golf, de voir qu'un shaft avec la même tête, ça pouvait avoir une influence énorme comme ça sur la trajectoire de la balle. Et ben justement, je pense que c'est une super transition. Et est-ce que Lewis, tu perds la gentillesse de nous envoyer la petite vidéo que j'ai faite sur Alex et sur ses chiffres Trackman, justement? Ok, alors tu veux le Trackman? Hop. Donc, ok Guillaume, on est de retour. Commente-nous un petit peu ce que les gens ont pu voir sur les données Trackman. Qu'est-ce qui est important à savoir sur les données d'Alex là? Alors Alex, c'est deux drives différents. Il y en a un qui a été pris au BM et l'autre qui a été pris je ne sais plus où. C'est Trackman et Bruno Vega de chez Trackman qui, avec ton accord, m'a envoyé tes données. Qu'est-ce qu'on constate? Alors c'est deux coups qui étaient assez différents parce qu'il y en a un où tu prends la balle à plus 5 en remontant et l'autre où c'est à peu près neutre. Une vitesse de club qui varie entre 115 et 117. Et surtout, ce que moi j'adore, et tu viens d'en parler justement, donc c'est hyper intéressant, c'est que tu as ce qu'on appelle un launch assez important, de temps en temps aux alentours de 15 degrés de launch, et très peu de spin. Sur les deux drives que tu as tapé, il y en a une qui est à 1845 si mes souvenirs sont bons, et l'autre qui est à 2000. Donc c'est un peu la qualité, je dirais, des très très bons drivers aujourd'hui, c'est qu'ils ont, alors je vais utiliser un mot anglais, j'espère que vous me pardonnerez, c'est high launch, low spin, c'est-à-dire une balle qui va décoller très rapidement vers le haut avec très peu de spin, ce qui va faire qu'elle va avoir une portée assez importante due à un launch important, et vu qu'elle a peu de spin, elle va arriver au sol avec beaucoup d'énergie et va rouler derrière. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement chez les joueurs, c'est quand ils ont justement ce type de trajectoire, une balle qui se lève rapidement avec peu de spin. Mais bien évidemment, le danger dont tu parlais, c'est dès l'instant où ta balle descend à
moins de 1700, 1800, 1000, même 1800 tours de spin, elle peut dropper rapidement et ça peut être effectivement un coup dangereux aussi. Et ce spin, qui bien évidemment est dû à ton fonctionnement, tu avais tendance, je pense, pendant pas mal de temps à avoir un angle d'attaque assez important, avoir peu de loft sur ton club, donc avoir ce qu'on appelle un spin loft assez bas et avoir une balle, si effectivement une balle qui spin peu, risque de drop, de tomber un peu rapidement par moment. Après, ce que j'avais, la grosse qualité que j'avais dans mon ancien driver, c'est que dès que je voulais faire baisser le spin, je la prenais un peu de la pointe. Et c'est pour ça que je suis jamais passé et changé de driver. Bon, malheureusement, il s'est cassé. Mais j'avais cette facilité que je le connaissais tellement par cœur que par rapport au coup que je voulais faire, quand je voulais faire une balle qui haute Andrew, je la prenais un peu de la pointe et ça me permettait de faire baisser le spin directement. Est-ce que tu t'organisais d'une façon différente quand tu voulais faire ça, Alex, ou est-ce que c'était plus visuel pour toi? Est-ce que au niveau de l'organisation, tu faisais quoi ou rien changeait? C'était juste toi, tu te disais ok, celle-là, je la prends un peu plus en pointe et voilà. En fait, je pense que tu la prends un peu plus en pointe quand tu essayes de faire un chemin un peu plus intérieur-extérieur. C'est plus facile pour la prendre dans la pointe, après pour ma part, hein, mais tu peux la prendre un peu plus quand t'as le chemin un peu plus de l'intérieur, plus facile pour la prendre en montant, quoi, aussi. Donc c'est comme ça que j'essaie. Je voudrais quelque chose. Quand on entend ça, c'est tout à fait incroyable de se dire que pour maîtriser certaines choses, tu vas chercher à prendre la balle de la pointe. Alors c'est génial de l'entendre. Attention, messieurs, dames, qui nous écoutez, c'est quelque chose qui nécessite des habiletés complètement incroyables que des joueurs professionnels de haut vol comme Alex peuvent faire. Soyez vigilants là-dessus. Un des meilleurs exemples pour ça a été David Howell. David Howell a toujours géré, pour ceux qui le connaissent, ses trajectoires via ce qu'on appelle le décentrage et le gear effect. Donc c'est quelque chose de très fin. Vous imaginez quand même qu'on parle d'un impact qui va bouger de ça à peu près, donc c'est quelque chose d'impressionnant que de pouvoir gérer du spin ou de la trajectoire par un décentrage. Donc c'est génial de l'entendre. Attention quand même pour les gens qui nous regardent de pas essayer de trop répéter ce genre de choses qui nécessitent des habiletés incroyables. Alors Guillaume, si tu me le permets, on va commencer à prendre quelques commentaires de la part de l'audience qui est là, qui sont présents. Il y a une question qui est évidemment hyper intéressant. C'est très intéressant parce qu'on doit tous en tant que joueurs connaître la réponse à la question suivante, question de la part de Jean-Philippe, qui dit: quels sont les points forts de ton jeu, Alex? Les points forts, je dirais, mon driving a toujours été un point fort. Je dirais que je suis capable de créer un peu tous les coups, toutes les trajectoires. Je dirais que ça, c'est un point assez fort de mon jeu. Quand j'ai besoin de faire un petit draw pour contrer le vent gauche-droite ou un petit fade pour contrer le vent droite-gauche. Je peux m'appuyer à peu près sur tous les coups, donc je dirais que ça c'est une de mes qualités, je dirais. Génial. Et tu sais, j'avais vu une vidéo de toi que j'avais trouvé extraordinaire il y a quelques années où tu jouais, je crois que c'était le Blue Monster, il me semble, sur le PGA Tour, le parcours. J'imagine que tu te souviens bien de d'avoir joué ce tournoi et ce parcours. Et j'avais vu une vidéo de toi où tu étais parti sur le parcours et tu avais indiqué dans la vidéo que tu regardais sur le parcours les endroits où tu pouvais potentiellement louper par rapport à la trajectoire que tu es effectuée. Et ce point-là, en termes de stratégie de jeu, pour les amateurs qui nous regardent, c'est tellement important de connaître son système de jeu, ses trajectoires, parce que non seulement tu regardes les endroits où tu peux être un peu plus offensif et agressif, le joueur que tu es, c'est ton système naturel, mais tu regardes également, quand tu vas regarder un trou et quand tu vas reconnaître le parcours, les endroits où tu pourrais potentiellement dire « Ok, bon, là, si je loupe, je sais que je peux louper de ce côté-là. Là, par contre, ce trou-là, si je loupe de ce côté-là, je ne suis pas très bien. Donc, je vais peut-être adapter le jeu. » Déjà, ça, c'est du travail que j'ai mis en place avec mon staff et avec Tom. J'ai de la chance d'avoir un caddie qui est plutôt très, très performant dans ces choses-là. Et donc, mon draw naturel me permet plus facilement déjà d'attaquer un drapeau qui est à gauche du green. C'est plus facile pour moi de m'aligner sur le centre du green et de faire un petit draw pour la ramener vers le drapeau. Donc le drapeau à droite est un peu plus complexe, mais c'est des coups que j'adore tenter. Et c'est sûr qu'après,
Il faut identifier le moment où tu peux être agressif et le moment où il faut être un peu plus calme et un peu plus réceptif et un peu plus tranquille. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire, il faut pas dire, mais c'est des choses qu'on essaye de Mais ça mettre en paye place au bien. fur et à mesure. Finalement, c'est un peu Non, c'est sûr. Bien sûr. le retour sur investissement, tu C'est vois, c'est sûr. quand tu décides de choisir. Après, je pense que pour avoir une stratégie assez offensive, il faut avoir un très bon petit jeu. Et ça, c'est un de mes objectifs de progression énorme. C'est de pouvoir évoluer au petit jeu. On voit tous les grands joueurs, tout le top 20 mondial. Il y a vraiment là où ils font la différence. Et le chipping, ils sont vraiment très très bons. Guillaume, qu'est-ce que c'est Est-ce intéressant qu'on ce qu'il peut vient de dire justement là? parler un... Ouais, bien sûr, c'est génial et c'est toujours d'une très grande richesse que d'apprendre comment un joueur comme toi s'entraîne, que tu as encore, malgré un jeu tout à fait incroyable, des choses à apprendre, des points à améliorer et c'est absolument génial. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de ton staff? On sait que tu t'es réorganisé, ce qui est toujours quand on se réorganise. Courageux parce qu'on sait les résultats que tu as eus et quand on se réorganise de temps en temps, c'est quand même se mettre aussi à une certaine forme de risque que tu as fait, donc c'est toujours très courageux. On sait que tu as dans ton staff Sean Foley, que tu as, je vais probablement en oublier Sean Foley, on sait que tu as Tom Elling qui est bien évidemment un caddie tout à fait incroyable et on sait la compétence qu'il a. Une compétence générale de caddie absolument géniale. On sait que maintenant tu as Mathieu Sand. Allô? Ouais, je suis toujours là, Alex, il y a Guillaume qui... Santerre, Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Extrêmement compétent. Mathieu Santerre qui va faire office et je pense que ça va être intéressant de discuter de ça, peut-être office de relais ou de performance coach. En tout cas, ça va être intéressant de savoir quel rôle il a et bien évidemment la préparation physique. Comment est-ce que tout ça s'organise autour de toi et voilà. Et je pense que les gens vont être intéressés de comprendre quels sont le rôle de chacun. En fait, déjà, j'ai pris la décision de quitter Pete Cohen. Pete Cohen, c'était il y a 2 ans. Parce qu'au final, j'ai appris énorme. J'ai appris énorme. Mais je sentais qu'il y avait un coup qui m'énervait et j'arrivais pas à le régler. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. Et je Quel pensais coup? que. Et je, le coup qui part à gauche avec du draw. C'est quelque chose La gauche-gauche. qui. Ouais, la gauche-gauche qui m'énervait, c'est venu d'un coup comme ça, sur un par 3 à Dubaï, où un drapeau à gauche et j'ai raté double cross et ça m'a. Et j'ai dit, il faut que je comprenne pourquoi. Et j'ai dit, bon, ben, je pense que pour moi, l'un des coachs qui a le plus de connaissances, entre guillemets, techniques, c'est Sean. Et donc, j'ai décidé d'aller voir Sean. Bon, il faut dire que Sean, c'est quelqu'un de très particulier. Quand tu fais une séance avec lui, tu tapes 20 minutes et tu parles 40 minutes. Mais tu as beaucoup de choses à apprendre. Tu as beaucoup de choses à apprendre. Je regrette rien de ce que j'ai fait. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et en plus d'être un très bon coach technique, c'est un super mec et un super psychologue en même temps. Donc voilà, après, j'ai plein de choses en tête, j'ai énormément progressé sur plein de trucs, mon swing est 100 fois mieux qu'avant, mais on se dit, il n'a pas les résultats. Ben, bien évidemment, le golf, c'est pas que le swing, c'est tout ce qui va autour, tout ce qui est organisation, tout ce qui est travail quotidien, le travail qui est chiant, qu'on n'aime pas faire, ce qui est le plus difficile. Et c'est ce qui est généralement le plus bénéfique pour nous. Donc toutes ces choses-là, et j'ai dû voilà prendre une décision comme cette année, mettre Mathieu Santerre dans la boucle pour me permettre d'avoir quelqu'un un peu relais sur lequel je peux m'appuyer quand je suis en Europe et en France, parce que Sean, malheureusement, ne veut plus voyager en Europe. Donc voilà. Ouais, et puis super relais, Mathieu, qui a beaucoup de compétences, de connaissances Voilà, maintenant, exactement. et voilà.
Après, oui, les gens souvent, on respecte bien évidemment tous les gens qui nous écoutent, mais rapidement peuvent dire, ouais, il a changé, pourquoi est-ce que quand il était avec Alain Alberti, il a gagné quoi, 4 fois, pourquoi? Bah, parce que de temps en temps, les joueurs ont besoin d'autre chose, ont besoin de voir autre chose et ont d'autres ambitions. Et si par hasard, et c'est ce qu'on te souhaite, si l'année prochaine tu gagnes un tournoi majeur ou un des plus gros tournois du monde, un WGC, ce qu'on te souhaite vraiment avec beaucoup de mal, tout le monde dira, ouais, il a fait le bon choix. C'est pour ça que c'est toujours laissons l'avenir parler, laissons les choses se dérouler et on verra plus tard. Mais après c'est facile. Moi je pense que dans il t'arrive des choses et tu peux pas les comment dire tu elles arrivent, tu peux pas les changer. Il faut juste apprendre de ce que tu fais. Je peux plus être la même personne que j'ai été en 2014 quand je suis arrivé, que j'ai gagné mon premier tournoi auquel je m'attendais pas du tout. Je savais que je pouvais le faire, mais j'étais dans l'euphorie, dans la joie, dans le plaisir quand j'étais sur le parcours. J'étais en dernière partie. Pour moi, c'était un enfant qui découvrait un parc d'aventure, quoi. J'étais là comme un petit enfant. C'était ma première année avec la full carte sur le Tour européen. Donc forcément, je pourrais plus être la même personne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut retrouver l'équilibre entre ce qui t'a permis d'arriver à faire ce que tu as fait et de pouvoir aller encore plus haut. C'est ça mon objectif. Guillaume, si tu me le permets, on va rajouter pour les personnes qui justement ont pu critiquer ce changement. Il faut rappeler à l'ordre que Tiger Woods, qui on peut considérer comme un ou le meilleur joueur de tous les temps, quand il était numéro 1 mondial, décide de changer de coach. Et il l'a fait à plusieurs reprises et ces changements ont pris du temps. Ces changements ont pris du temps à mettre en place au niveau de la technique, au niveau de la confiance de pouvoir exécuter la technique sous pression. Donc, tout changement est souvent critiqué, mais tout changement est nécessaire si on veut évoluer, si on veut aller de l'avant et réussir les objectifs et les résultats qu'on se fixe. Et donc, évidemment, ceux qui ont critiqué seront les premiers à dire « Ah, mais en fait, il avait raison quand Alex gagnera son prochain tournoi, et on l'espère que ça sera, comme tu le dis, un WGC ou un majeur ». Pour le coup, tout le monde sera là à dire « Ah mais qu'est-ce qu'il a fait Alex ?» Parce que je pense que ça peut, c'est finalement une bonne chose. Comme Victor à l'époque, qui a été souvent Victor Dubuisson, qui a été critiqué pour sa façon de s'entraîner, parce que lui, il aimait beaucoup plus aller jouer sur le parcours plutôt que de passer des heures au practice. Il a été critiqué pour ça. Et derrière, les résultats ont montré que finalement, il n'y a pas une façon, il n'y a pas un système à exécuter. Il y a plusieurs façons de faire par rapport aux personnalités des gens. Il faut connaître le sien. Et il faut connaître le sien. Et là, Alex, il faut respecter le courage déjà de choisir le changement. Parce que ce n'est pas donné à tous d'avoir le courage. Absolument. De dire, tiens, je recherche quelque chose, je vais aller. Et ce n'est pas évident d'avoir cette dynamique-là. Absolument. Et puis je rebondis là-dessus sur le fait de changer sans oublier ce qui s'est passé avant, sans oublier. Alors, je me permets de parler de choses qui ne me regardent pas, mais ce qui s'est passé avec Alain Alberti et où je suis sûr que tu auras toujours un respect incroyable pour lui parce qu'il t'a amené plein de choses. Mais il y a un moment où voilà. Et on le salue d'ailleurs. Comme Tiger Woods, qui est toujours très copain avec son coach Butch Harmon, il est toujours très bon ami. Bien sûr. Voilà, on peut respecter les personnes avec qui on a travaillé et puis juste réaliser qu'au bout d'un moment, on arrive au bout d'un chemin et qu'on doit en prendre un autre. Et c'est pas parce qu'on n'a plus de respect ou de préférence, c'est juste que c'est un changement. J'ai une personne de ta famille, Alex, là. Ouais, je vais faire un double commentaire. J'ai Rémi qui dit ce soir, je fais un live sur la puissance. Est-ce qu'Alex aurait un conseil? Et juste derrière, tu as Lucas Levy. Lucas, qui dit. Mon cousin. Mon cousin, qui dit Rémi, le plus important, c'est de finir sur un seul pied. Exactement. C'est pas faux. C'est ça, on adore. On adore. Ah, il a un bon humour, le petit cousin. Lewis, il y a pas mal de gens qui nous questionnent sur ce que Alex travaille techniquement. Oui. Est-ce que ça t'embêterait de mettre sa vidéo, par exemple, avec de profil plaisir. Pour commencer, Alex, je vais commenter. J'ai eu Mathieu Santerre en ligne qui m'a expliqué un peu ce que vous faites, parce que nous, malheureusement, on n'a pas la vidéo en live. Enfin, moi, j'ai retrouvé la vidéo. Et voilà, tu m'arrêtes à tout moment si je dis des bêtises, bien évidemment. Vas-y, je t'écoute. Guillaume, je vais juste m'assurer que la vidéo marche avec les commentaires au-dessus. Donc, pardonnez-moi, on est en direct. On va jouer le swing d'Alex. Tu veux de face ou de profil, Guillaume? On va commencer de profil. Allez, de face. Fais ce qui t'arrange. De toute manière, on va regarder les deux. Alors,
l'interview, voilà, et je vais. Voilà, là normalement on devrait t'entendre Guillaume. Donc tu peux aller, il y a le swing d'Alex Est-ce que qui est tout de le monde face. vous entend? Normalement c'est bon. Alors, si tout le monde nous entend de face, qu'est-ce qu'on va avoir chez Alex? Alors, Alex, je pense que je pense que c'est à Vidauban, probablement avec Mathieu, tu as dit tout en noir, ça doit être pas très longtemps. Et les points que vous avez travaillé, que vous mettez en avant, sont a priori déjà de mieux te placer au départ. Tu avais les hanches légèrement à gauche, tu avais le haut du corps légèrement à droite, et vous essayez de vous replacer un peu plus. Plus centré au départ. Autre chose par rapport au takeaway, on sait que tu avais ce takeaway un petit peu caractéristique où tu mettais de la pression au niveau du grip au démarrage. Ça, vous essayez de le retirer aussi. Ouais, Et on parce que ça connaît me bien ferme la face. voilà, ça te ferme la face et vous cherchez à avoir des balles plus hautes avec plus de spin au niveau de la trajectoire. Exactement. Et au niveau du swing, donc on connaissait ce petit démarrage. Effectivement, où tu avais tendance à mettre un peu de pression au niveau du grip, et surtout pendant la traversée, d'avoir la tendance d'avoir un club qui était un peu trop steep, pardon, un peu trop vertical, en augmentant beaucoup le lag. Et effectivement, à partir du moment où les mains étaient à la hauteur des hanches, pour remettre du loft au club, enfin ça Je te c'est dis moi qui en le dis, arrière. mais je pense que Mathieu sera d'accord, tu avais tendance à te jeter un peu en arrière Exactement. je veux dire, remettre du loft au Du club. loft à la balle. Et du loft à la balle, du spin à la balle, et parfois de jeter un petit peu en arrière, d'où les finishes qu'on pouvait voir, et qui peut-être pouvaient être un tout petit peu douloureux, au niveau du bas du dos aussi. Donc, Musculairement, exactement. d'après ce que je comprends et ce qui nous paraît avec Lewis tout à fait logique, c'est tu travailles un démarrage, enfin, en étant déjà un peu plus carré devant la balle, en ayant une colonne vertébrale un peu plus, on va dire, derrière. Un démarrage avec moins de pression au niveau du grip et une traversée avec moins d'angle, enfin, avec moins d'angle, avec un club un tout petit peu plus couché pour justement pouvoir traverser, tourner et rajouter du loft à Ouais. l'impact. Est-ce que je me trompe ou Ouais. est-ce qu'on est à peu près là-dessus? C'est ça. L'image sur laquelle je m'appuie pas mal avec Sean, c'est l'image de Sergio Garcia. Il y a deux joueurs, Sergio Garcia et Rory McIlroy. C'est un peu les deux joueurs sur lesquels je m'appuie pour parler aux spectateurs un peu plus facilement. Des joueurs qui sont fermés très très longtemps à la cible et qui s'ouvrent un peu au dernier moment. Donc, comme tu l'as dit, toutes ces choses dans le backswing, dans le démarrage, dans le takeaway, moins d'angle au niveau des poignets en haut, tout ça me permettra d'arriver avec un club beaucoup plus shallow, plus vite. Et cela va me permettre d'actionner mon corps plus facilement durant la phase Impact. de transition d'impact. Voilà. Ok, est-ce que les gens ont des questions par rapport à ça? Ça peut paraître très technique avec beaucoup de données, mais en tout cas, tout ce qui est fait est tout à fait logique et tout à fait en relation avec ce qu'on voit aujourd'hui à haut niveau, c'est-à-dire un club qui va se coucher un petit peu plus pendant la transition pour avoir un club un peu plus plat, un peu plus derrière, qui va permettre d'être complètement en rotation à l'impact. Tandis que, si je peux me permettre, ta tendance en ayant été un tout petit peu trop vertical en descendant, t'obliger à À te revenir jeter en trop devant. arrière un peu, voilà, et à te jeter un tout petit peu en arrière au dernier moment pour que le club puisse revenir de l'intérieur. Alors on a une Exactement. question. Ouais. Non, vas-y, vas-y Alex, je t'en prie, vas-y. En fait, j'essaye dans tout ça, c'est pour ça que je me suis mis pas mal à faire du sport, parce que je pense que si j'arrive à tout réunir entre un peu plus de mobilité, un peu plus de gainage et toutes ces choses-là, toutes ces choses ensemble vont me permettre de taper plus fort, plus régulier et d'avoir un contrôle de mes trajectoires nickel. Donc, toutes ces choses-là se réunissent en fait ensemble, quoi. Alors Mais tu vois, Guillaume, tu as bien résumé ce que je travaille. et tu vois Alex, Et alors, c'est, t'as génial eu, la question d'Olivier Rosner. ouais voilà, as-tu une prépa physique en adéquation avec ton évolution technique, c'est concrètement, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Oui, tu Mais Olivier, il triche. Il est venu deux jours avec moi l'as. voir Sean Foley. Donc, il sait. Mais si on peut rebondir là-dessus, Alex,
j'ai cru entendre, j'ai cru voir que les joueurs qui travaillent aujourd'hui avec Sean Foley doivent passer pendant un certain moment par le préparateur physique avec qui ils travaillent aujourd'hui pour justement être parfaitement en adéquation et que ce que tu vas faire à la salle de gym, les exercices que tu vas faire vont te permettre, parce que je dirais c'est l'objectif ultime, de faire plus facilement les changements techniques qu'il demande. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors lui, c'est ce qui se passe. Ouais, alors lui est il a vraiment un duo avec ce coach, c'est Kevin Duffy, où il parle beaucoup, il s'envoie beaucoup de vidéos des joueurs quand entraîne Kevin Duffy, il les envoie à Sean l'inverse. Donc on échange pas mal. Oui, j'ai travaillé avec lui. Après, c'est quelqu'un qui est allé se baser aux États-Unis. Donc, on va faire step by step. J'ai pas commencé à bosser full time avec lui. Comme j'ai dit, moi, j'ai mon préparateur physique. On fait un peu tous ensemble. Et je pense que chaque chose en son temps. Mais oui, Sean m'aide aussi sur le travail physique, sur ce que je dois faire. Et c'est pour ça aussi que j'ai amené Mathieu dans mon staff, parce que c'est quelqu'un qui peut faire le relais entre ce que Sean dit et ce que doit amener avec le préparateur physique. Donc voilà, il y a aussi cet aspect biomécanique qui est très important dans un swing de golf. Et que la relation, je dirais, avec l'ensemble du staff se fasse complètement, que le préparateur physique soit complètement en relation avec le technicien, inversement, pour que tu ne perdes pas de temps et pour que tout fit parfaitement. Et après, Fabien, qui est mon préparateur, peut discuter avec François, qui est lui mon ostéo, qui connaît vraiment bien mon corps et qui sait les exercices que je peux faire et les exercices que je ne peux pas faire, justement. Donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est un relais tous ensemble et c'est ça qui est intéressant. Alex, ce qui est absolument fantastique, Guillaume, je me permets juste parce que ce matin j'ai fait un live et on m'a posé la question ce matin durant le live, qu'est-ce qui manque pour qu'un joueur français intègre le top 10? Et tout ce que vient d'évoquer Alex et grâce à tes questions aussi Guillaume, ça répond finalement à cette question-là. C'est-à-dire que Alex construit une équipe autour de lui qui lui permet de comprendre ce qu'il peut faire physiquement et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire actuellement, qu'est-ce qu'il doit améliorer physiquement pour répondre au swing qu'il est en train de construire avec Sean. Et tout à l'heure, on parlait de Rory McIlroy qui faisait des vidéos torse nu en train de jouer au tennis. Rory McIlroy, numéro 1 mondial actuel, c'est un travail qu'il a aussi fait avec son préparateur physique. Il a amélioré certaines parties de son corps grâce à une prépa physique. Parce que lui, il couchait un peu trop le club derrière lui. Il avait le club qui restait un peu coincé derrière. Donc, il avait un chemin de club beaucoup trop intérieur-extérieur. Et aujourd'hui, grâce à une prépa physique, il arrive à avoir une descente un peu plus verticale, ce qui lui permet de neutraliser un peu les trajectoires. Et là, quand on voit Alex qui est en train d'échanger avec son préparateur physique, son coach de golf technique, il y a tout l'entourage du joueur qui, en fait, aujourd'hui, les meilleurs joueurs au monde, on voit que c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir Alex Levy, joueur français, qui finalement a cette même dynamique. Donc finalement, c'est comme ça qu'on va arriver à avoir des Français qui vont intégrer le top 10 rapidement. Oui, et ouais, puis des Français, je rebondis juste un instant sur les Français, parce qu'effectivement, ils ont été assez critiqués pendant pas mal de temps, les joueurs français. Je pense que ça fait l'année dernière à prouver que les joueurs français avaient leur place dans les meilleurs joueurs du monde et sont en train de le prouver de manière régulière. En parlant d'Alex, il a moins de 30 ans, il a gagné déjà 5 fois sur le circuit européen. C'est des gros tournois. Absolument énorme. J'insiste là-dessus, 5 fois à moins de 30 ans, il faut aussi remettre dans le contexte certaines choses. C'est des choses qui sont extrêmement impressionnantes. Ouais. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une bonne dynamique. On voit que par exemple, Victor l'année dernière a fait une excellente saison. Il est arrivé avec son staff, son cadre. Voilà, je pense que le plus important, c'est d'avoir un cadre autour de soi, que ça soit dans sa vie intime entre guillemets et sa vie professionnelle. C'est important de savoir où tu veux aller, ce que tu veux faire. Et je pense que le cadre, c'est vraiment la chose primordiale pour un sportif de haut niveau. Alex, comment tu t'organises juste, j'ai une question sur le staff parce que je veux rester dans le thème du staff. Donc, pendant que tu es en transition en quelque sorte sur, tu sais, voilà, tu as effectué quelques changements mécaniques avec ton coach, tu es dans une évolution de préparation physique, c'est fantastique, tu vas dans la bonne direction,
tu vas rapidement rejoindre le sommet mondial. Maintenant, comment tu fais avec ton staff pour te fixer en fait des objectifs à court terme et long terme? Ça peut aider les amateurs aujourd'hui qui sont peut-être dans une transition technique avec leur coach. Comment tu fais pour arriver dans un tournoi en sachant que tu es en train de modifier certaines choses, mais en même temps tu as cette dynamique naturelle qui est de je veux gagner le tournoi. Donc comment tu arrives à gérer en fait finalement ces deux choses? En fait, je pense que l'entraînement est très important et c'est dans lequel j'ai un peu péché ces dernières années où j'étais un peu moins concentré sur mon golf parce que, comme dit Guillaume, gagner 5 fois à 30 ans, c'est bien, mais aussi ça t'amène d'autres choses à côté qui sont un peu moins bien. Mais bon, je regrette rien, comme on dit, et ça fait partie de la vie d'un sportif. Tout le monde est passé par là. Donc justement, c'est une question intéressante parce que je suis en train de me reconstruire à ce niveau-là. Comme j'ai dit, l'entraînement, je pense que l'entraînement, c'est vraiment le plus important. Il y a l'entraînement technique qui est très important. C'est bien de vouloir progresser techniquement, mais il y a aussi l'entraînement qui te permet d'être performant. Parce que de faire des répétitions de swing technique, c'est bien. Mais à un moment, quand tu joues au golf, tu fais pas les mêmes choses que quand tu penses à travailler ton swing techniquement. Donc je pense que le plus important, c'est de l'entraînement, d'être capable de varier entre des mises en situation comme si tu étais sur le terrain en tournoi et des mises en situation comme quand tu travailles ta technique. Donc c'est un mélange entre les deux qui est vachement dur à faire et qui est vachement intéressante entre guillemets parce que c'est vraiment ce qu'il faut arriver à faire, quoi. Génial. En fait, c'est le Bien sûr, de process finalement. remettre. C'est focus sur le process. Voilà, exactement. Après, il faut connaître ton process. Chacun, comme on dit, est différent. Il faut savoir ce qui est bon pour toi et tu peux commencer à te le tester à l'entraînement. Donc, par exemple, avec Mathieu, pour rebondir sur le sujet Mathieu Santerre, Mathieu, c'est ce qui m'amène vachement à ce niveau-là. On met beaucoup d'intensité dans l'entraînement. Je compte le nombre de balles que j'ai le droit de taper en technique. Et après, on est parti sur un mode d'entraînement où c'est de la performance. Et là, on parle plus de technique, c'est du résultat sur quoi on s'appuie. Enfin, on est notre résultat est le sujet le plus important, quoi. D'être sur des exercices qui sont liés uniquement à la performance, de faire du côté un côté Voilà. mécanique où Voilà. justement Sean Foley va être, je dirais, la personne référente, Mathieu va être le côté, je dirais, répétiteur, même si c'est un mot que j'aime pas trop, mais surtout va être le Ouais. performance coach qui va te mettre en situation pour tester si ça tient sous pression et si tu vas pouvoir l'emmener sur le parcours facilement. Voilà, c'est des choses où on fait dernièrement, là, avant le confinement, c'était pas mal vu. On avait fait pas mal de choses dans l'entraînement. Et on faisait des matinées, donc de 9h jusqu'à 1h. Je peux vous dire que je sortais de là, je sentais que j'avais mis énormément d'intensité. Donc en fait, dans chaque jour, j'ai des objectifs dans ma tête à long terme. Et chaque jour, je me mets des objectifs de résultats et des moyens à mettre en place par rapport à ces résultats-là. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec Mathieu. C'est quelque chose qui est très, très compliqué pour moi. Parce que quand tu viens d'un naturel, entre guillemets, d'un joueur qui est naturel, qui a du panache, tout ça, de devoir faire ces choses-là, c'est totalement différent avec ce que je faisais avant. Mais avant, c'était bien d'arriver et de faire un exploit de temps en temps. Mais maintenant, ce que je veux rechercher, c'est d'arriver et d'être beaucoup plus régulier et d'être beaucoup plus performant sur un long stretch. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu? On a parlé de la préparation, préparation physique, on a parlé de la préparation technique. On sait que pour le putting, enfin, on avait vu que pour le putting, pendant un moment, tu t'entraînais aussi avec Phil Canyon, donc vraiment avec des spécialistes. Qu'est-ce qu'il en est de ta préparation mentale? Est-ce que c'est directement avec tes coachs, je dirais, techniques que tu l'as fait? Il y a beaucoup de joueurs qui le font aussi comme ça, ou est-ce que tu as quelqu'un qui est dédié à cette source de performance? Alors, ben j'ai une psychologue avec qui que je fréquente depuis le mois de novembre, décembre, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a amené énormément de solutions. Maintenant,
comme je dis, c'est pareil que l'entraînement, bah, c'est des choses qu'il faut appliquer et qu'il faut auxquelles il faut investir énormément de temps. Donc je travaille à ce niveau-là avec la psychologie, et après ce qui est préparateur mental entre Tom, Mathieu et Sean, j'ai des gens assez compétents qui peuvent me mettre dans des situations où je travaille le mental, parce qu'il faut, pour moi, il faut différencier le préparateur mental et la psychologie. C'est deux choses totalement différentes. Alex, moi j'ai une question à te poser, parce que tu sais, la psychologie et le mental, c'est quelque chose qui peut paraître très flou pour les amateurs. Quand on entend un pro dire « je bosse la psychologie, je suis en train de bosser le mental », les amateurs, ils disent « mais en fait, ça veut dire quoi ça ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Est-ce qu'il y a des exercices, par exemple, que tu es en train de faire au quotidien ? Est-ce qu'il y a des astuces que ta psychologue t'a donné à des, comme tu sais, comme quand tu es en train de travailler la technique dans un swing, est-ce que tu as des choses, des exercices, de l'entraînement mental que tu es en train de faire quotidiennement ? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que tu peux faire. Par exemple, l'imagination. Pendant qu'on est là, tu peux travailler énormément en imagerie. Sur la visualisation. Ça, c'est des choses. Mmh. Ouais. Sur la visualisation, sur te voir jouer en imagerie, quoi. En t'imaginant en train de jouer, t'as de la relaxation, tu as plein de choses, tu as plein de choses à mettre en place. Après, ce que je dirais, où se rejoint la psychologie avec la préparation mentale, c'est que quand tu as l'entraînement, tu peux amener un peu les deux. Mais là, ça se base déjà sur des choses qui sont à l'extérieur du golf, dans ta vie personnelle, ça part de là, savoir comment tu gères toutes ces choses-là, et après tu vas t'amener sur l'aspect un peu plus golfique, qui se rejoint à ce niveau-là entre la prépa mentale et la psychologie. Est-ce que tu le fais pour tes changements techniques aussi ? Parce que tu sais, tu parles de visualisation, et moi ça j'y crois, mais à 4000% que la visualisation de la réussite qu'on essaie d'entreprendre, parce que tu sais que le cerveau a du mal à différencier la réalité avec la visualisation, et c'est pour ça que du coup on travaille beaucoup la visualisation avec les joueurs professionnels, et dans mon cas aussi avec les joueurs amateurs, et je sais que Guillaume, vous travaillez beaucoup ça avec vos clients, vos élèves à l'Académie Altus, mais dans ce cas-là, quand tu fais de la prépa dans le swing, est-ce que tu visualises aussi les changements mécaniques dans ton swing ? Comment tu souhaiterais te voir frapper la balle sur un parcours de golf ? Ah oui. Tu te visualises en train de faire ce choix-là ? Parce que ça a un impact énorme sur la rapidité ou finalement la vitesse sur laquelle tu peux progresser. Bien évidemment. Bien évidemment. Moi, après, je suis quelqu'un de très plus sensitif que voir une balle voler, voir ces choses-là. Donc, j'arrive par exemple à faire des séances où je me sens en train de faire le bon swing, le bon mouvement, et je me vois réaliser le swing dont entre guillemets que tu voudrais. Je rêverais de faire, quoi. Voilà. Mmh. Donc, mais je suis quelqu'un de plus sensitif que il y en a qui sont caractérisés plus par l'imagerie de la balle. Moi, ça, j'ai un peu plus. Voilà, moi, j'ai un peu plus de mal là-dessus. Mais l'imagerie, j'arrive à la faire un peu plus dans le sensitif. Dans la sensation, ok. Ouais. On sent, en fait, après cette heure passée ensemble, on va te laisser parce qu'on a pris quand même 2 heures de ton temps. Avec le départ. On sent quand même que depuis quelques temps maintenant, tu t'es organisé, on va même peut-être dire, tu as révolutionné un peu ton encadrement avec, et on te sent extrêmement structuré et tout ce que tu fais a l'air extrêmement réfléchi. Donc, évidemment, bravo. Évidemment, je me répète que c'est souvent des changements sont preuve de courage et d'envie de mieux faire. Donc, on trouve ça absolument génial. Je pense qu'on va te laisser parce qu'on a pris beaucoup de ton temps. 2 ou 3 petites choses avant de te laisser. Question de Matteo de la Pampa. Ah, c'est connais. De Côte. Et je trouve sa question assez sympa qui disait aujourd'hui. Attends, tu veux que je la rajoute ? Je vais essayer. Vas-y. T'as gagné 5 fois, t'as déjà fait, malgré le fait que tu sois jeune, plein de super choses. On sait que t'as gagné championnat du monde amateur aussi. Enfin, aujourd'hui, quel est ton plus beau souvenir pour résumer ? Si tu en as un, c'est peut-être que tu peux en avoir plusieurs.
C'est marrant que vous me parlez de ça parce que hier, justement, j'étais dans mon lit, j'arrivais pas à dormir et je me suis dit, allez, tiens, je vais mater ma première victoire. Ah. Et, en Chine. J'ai regardé ces coups-là, les coups du 17 et du 18, et je me suis dit quand même, t'avais une bonne paire de coronets. On t'appelle, elle appelle pas le taureau pour rien, quoi. je dirais quand même que ma première victoire restera un moment unique parce que c'est quelque chose auquel je m'y attendais pas, même si j'étais préparé, hein, parce que je l'ai réussi. Mais c'est quelque chose qui est totalement incroyable, ce feeling-là, quand tu gagnes pour la première fois. Après, j'ai pas gagné de majeur ou quoi que ce soit. Ça sera différent sûrement. Mais ce feeling-là, il est vachement incroyable, quoi. Et justement, ça allait être ma dernière question. Ton rêve aujourd'hui, c'est-à-dire comme nous tous, quand on a été sur un putting green, à faire le dernier putt pour gagner un tournoi, pour toi, ça sera lequel? Aujourd'hui, si tu travailles autant, si tu t'es organisé comme tu t'es organisé, si tu mets autant d'énergie dans ce que tu fais, c'est pourquoi? C'est sûr que si j'ai fait toutes ces choses-là, parce que je veux pas, il y a un petit moment où j'ai un peu baissé les bras et j'étais pas loin de poser les clubs pendant un petit moment. Mais si j'ai pris toutes ces réflexions et j'ai voulu donner le maximum de moi et je vais donner le maximum de moi, c'est justement pour réussir à gagner le Masters. Voilà, c'est génial. Génial. C'est moi, c'est le tournoi qui me fait rêver depuis tout jeune et c'est vraiment un tournoi où je m'imagine en train de le gagner. Génial, ouais, c'est encourageant top. pour tous les gens qui regardent, principalement les plus jeunes, de voir que même Alex Lévy, un des plus grands joueurs français, a ces rêves-là et sont comme eux à s'entraîner tous les jours pour gagner le Masters. Ouais. Et surtout de pas se fixer de limites. Ouais. Tu vois, quand tu parles du Masters, ouais, c'est tout à fait dans tes capacités. Je pense que il y a aucune limite dans le travail et il y a aucune limite dans les rêves et dans ce que tu peux accomplir. Moi, je donnerais le par exemple, allô. Ouais, on t'entend, on est là. On t'entend. Vous me demandez si j'ai un conseil à donner à un jeune, c'est de rêver le plus loin possible et d'y aller à fond, quoi. Et de se donner le maximum de chances pour réussir. Après, malheureusement, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas, c'est la vie. Mais c'est pas la question, en fait. À partir du moment où on a le rêve en question, il faut y aller, il faut foncer, voilà, comme tu le dis, Alex. Ce matin, le live que j'ai effectué, je parlais des jeunes justement dans le live de ce matin et justement j'ai fait référence à ton académie Guillaume Altus qui s'est rapproché des États-Unis avec Cameron McCorney qui a formé Jordan Spieth qui à l'âge de 12 ans dit à son coach à Cameroun « je veux gagner le Masters ». Et aujourd'hui ce qu'il faut c'est que quand on a un jeune, comme l'a si bien dit Alex, quand on a un jeune qui vient nous voir et qui nous dit « mon rêve c'est de gagner le Masters », nous ce qu'on doit faire en tant que coach c'est de l'accompagner et de l'aider sur le chemin et de le laisser cette ouverture d'esprit pour qu'il puisse aller le plus loin possible, non seulement techniquement, physiquement, mais mentalement, de garder cette… C'est vraiment le plus important, c'est que le joueur garde cette envie et ce rêve. Par exemple, sur le PGA Tour, ce qui s'est passé l'année dernière, c'était énorme. Quand tu as 3 jeunes de la fac qui arrivent et qui gagnent des tournois, c'est… Tu te dis, ça s'est jamais vu auparavant, quoi. Ouais. 3 jeunes stars, entre guillemets, qui arrivent, boum, ils plantent après 5-6 tournois. C'est énorme. Ouais, c'est clair. Bien sûr. On a un commentaire là, Alex, la part de Mathieu. On a juste un commentaire de la part de Mathieu Azé, qui est un ami qu'on a en commun, Alex, Mathieu Azé de Sainte-Maxime, qui dit « c'est ça qu'on veut entendre » avec des points d'exclamation. « Bise Alex ». Salut Lewis, donc il te passe le petit coucou, Mathieu de Sainte-Maxime. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de personnes. On n'a pas pu te lire tous les commentaires, Alex, mais sache que dans la communauté, là, dans le live, tu regarderas après si tu le souhaites, mais il y a énormément de personnes qui te souhaitent le bon courage, qui t'applaudissent, qui t'encouragent dans le parcours que tu es en train d'effectuer. On est vraiment, on est là, on est derrière toi, et sache que voilà, quand tu es sur le circuit,
On est là, on est derrière toi et nous, tout ce qu'on veut, c'est de t'accompagner dans ton rêve et te voir gagner justement cette veste verte et de simplement être accompagnateur sur le chemin. Donc bravo à toi en tout cas et un grand, grand merci pour ta transparence à travers ce Merci à live parce vous. que de pouvoir partager tes C'est cool. connaissances, ton expérience, tout ce que tu fais, ça va aussi aider les jeunes qui nous regardent et qui regardent cette vidéo et qui regardent Alex Lévy et qui se disent waouh, comment il fait pour s'entraîner? Comment il fait pour gagner des tournois? Comment il fait pour continuer à travailler aujourd'hui durant le confinement? Vous avez les réponses et Alex, non seulement tu nous as donné le plaisir d'être avec nous, mais tu as aussi aidé, je pense, beaucoup de golfeurs. Bah, avec Absolument. grand plaisir. Absolument. Et on est désolé en tout cas, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il y a eu plein de questions hyper pertinentes. On ne peut pas citer tout le monde, bien évidemment. Laurent Pargade, très très bon pro du golf du Médoc. On a 1 000 questions très intéressantes. On est désolé de ne pas pouvoir y avoir répondu. Je réponds à une question juste avant de finir. Tout le monde me demande quel est le petit tapis qu'on utilise pour putter. Donc c'est ça, c'est ce truc-là. Ça s'appelle Well Stroke. Et vous pouvez le modifier comme vous le voulez, mettre vos initiales, faire ce que vous voulez. Donc, j'ai eu, je sais pas combien de messages, Well Stroke sur le site du fabricant de tapis de putting Well Putt. Donc voilà, c'était juste pour ceux qui nous l'ont demandé, Well Stroke. Alex, merci 1 000 fois. Ciao les gars, bon courage et bon courage à et toi et tout le monde à la maison. Personne ne bouge pour rapidement gagne. pouvoir jouer dans les meilleures conditions et gagner rapidement. De beaux tournois. Merci à toi. Grave. Allez, merci les À gars. très Ciao, bientôt, ciao. merci tout le monde, merci.